Saison 2, épisode 2. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va commencer à s'organiser pour se préparer à faire des cartes. On arrive à la période de fin d'année, donc c'est vraiment une bonne période. On a souvent bah, voilà, carte de Noël, encore temps de faire des petites cartes Halloween pour voilà, animer un petit peu cette fin d'année. Vous avez l'habitude aussi, on va vous présenter les nouveautés des marques françaises, donc les ateliers de Karine et Sokai qui sont sortis aujourd'hui. Alors on a fait, vous certains la connaissent déjà, cette catégorie scrap et rangement qui est apparue depuis pas très longtemps, où on vous propose du scrap avec les rangements. Les produits ne sont plus seuls disponibles sur la boutique, à part quelques produits qui restent encore de quelques collections précédentes. Mais voilà, on a intégré ce principe-là sur le site il n'y a pas très longtemps, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup de messages de votre part en MP ou alors par mail, nous disant voilà, vous montrez souvent des nouveautés dans vos vidéos avec les rangements, donc on trouve les rangements, mais on ne trouve pas les produits que vous montrez. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Donc vous pourrez trouver ces offres groupées sur le site dans la nouvelle catégorie scrap et rangement. Donc on va commencer par vous présenter ces nouveautés et puis on va vous montrer comment est-ce que l'on va justement intégrer ces produits. On sait, on va les utiliser tout de suite, donc on ne va pas forcément les ranger de la même manière puisqu'on sait qu'on va les utiliser. On sait qu'on ne va pas avoir 2 jours d'affilée pour pouvoir travailler, donc il va falloir préparer nos affaires pour que l'on puisse très vite avancer, soit sur des petites découpes, soit pour faire des tamponnages, soit pour couper des papiers et préparer nos bases de cartes. Donc tout ça, on va s'organiser pour que dans les prochaines semaines, on aille beaucoup plus vite pour pouvoir s'amuser. Voilà, donc on va commencer avec les ateliers de Karine, donc qui ont sorti une nouvelle collection connotation hiver, donc qui tombe bien finalement pour ce que l'on va faire dans les prochains temps. Alors on vous montre vite fait les collections et les produits. Alors une collection est composée donc de 6 papiers recto verso et d'un calque. Chez Soluscrap, on a décidé de doubler les collections parce que surtout quand on fait de la carterie, enfin, des fois c'est impossible de choisir entre le recto verso et puis ça nous énerve de devoir choisir. Donc on se dit souvent on a besoin d'une deuxième collection pour pouvoir utiliser et le recto et le verso de chaque collection. Donc dans l'offre scrap et rangement que vous trouverez sur cette nouvelle collection des ateliers de Karine, on a tout simplement doublé la collection. Donc on va avoir les 6 papiers sans le papier calque. Donc vous allez retrouver les 6 papiers, mais on a ajouté également les 3 basiques qui font partie de cette collection-là et que vous allez pouvoir utiliser, qui sont raccord avec la collection. Donc on a rajouté des 3 basiques, 6 papiers de collection, plus la collection avec le calque, dans une offre où vous avez la pochette 30-30 dans cette offre. Avec cette collection, il y a aussi des petits stickers, des die-cuts et des masking tape qui vont accompagner cette collection. Alors, soyez pas étonnés, on n'a pas mis tous les produits des marques qui sortent, voilà, tous leurs produits. On a mis, voilà, à chaque fois, on choisit en fonction des thèmes que l'on aborde sur le moment. Donc, vous avez une grande planche de motifs stickers, oui, des stickers hein, prédécoupés, etc. Une petite et une grande planche. Vous avez un lot de die cuts et de masking tape qui sont coordonnées bien sûr à la collection. Et on a fait un lot si vous avez envie de prendre ben, justement ce matériel-là en plus avec la collection de papier. Donc vous avez une petite pochette aussi inclue dans le lot scrap et rangement. Les deux masking tapes, si vous avez pris l'offre déjà, vous vous souvenez sur la collection dans ma bulle de l'encre et l'image, il y avait une pop box mini. Ben voilà, vous allez pouvoir les inclure dans cette pop box mini avec les nouveaux masking tapes. On a également la collection Sokai. Une collection, c'est vrai qu'on aime bien, c'est vrai noir et jaune, on n'a pas l'habitude de voir ça sur le thème Noël, hein, hiver, mais on trouve vraiment la collection vraiment très sympathique. Elle est composée donc de 7 papiers recto verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec des petites bandes de décoration et aussi des petites cartes postales déjà que vous pouvez envoyer comme ça, mais que vous allez forcément pouvoir utiliser pour vos cartes.
Bien entendu, vous vous doutez bien qu'on a doublé la collection. Pareil, on n'a pas forcément envie d'avoir à choisir, surtout là quand on a des petites étiquettes qu'on veut découper, mais que l'arrière nous plaît beaucoup. Bah là, non, on a doublé la collection aussi. Donc, vous avez les 7 papiers de la collection, plus une pochette A4 transparente cette fois-ci. Avec cette collection, on a aussi des stickers qui vont et qui sont coordonnés avec la collection. On a pris la planche de tampon aussi, qui est vraiment très jolie pour pouvoir faire des petites cartes sympathiques pour ces fêtes de fin d'année. Et on a deux planches de stickers, une avec des mots, les deux autres recto verso avec des motifs, voilà, à découper pour faire des petites choses bien sympathiques. Et tout ça, c'est un lot dans les nouvelles pochettes EVA A5. Donc voilà, donc tout ceci est dans le lot avec les petites pochettes A5. On a également mis les die cuts de la collection de chez Sokai. Donc trois die cuts, voilà, trois collections que vous allez pouvoir ranger. Donc on a mis dans cette offre scrap et rangement une clickbox 13 cm fine plus deux feuilles magnétiques que vous allez pouvoir coller sur les deux côtés et y ranger votre collection. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore testé ce système ou si vous avez envie de tester, ben c'est voilà l'occasion de pouvoir avoir ces die cuts avec petit rangement pour les dies magnétiques que vous pourrez tester. On en a profité aussi doubler également la collection Dans ma bulle de l'encre et l'image. Donc elle est également doublée avec la pochette EVA 32-32 pour pouvoir ranger vos papiers. Donc vous retrouverez cette offre aussi doublée. Alors on se permet aussi de rappeler, parce qu'on a encore des messages qui arrivent sur le sujet, les offres dans la gamme scrap et rangement ne sont pas réapprovisionnées. Donc on a des stocks mini, on n'en prend pas non plus des quantités énormes. Donc c'est des stocks, voilà, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et on ne réapprovisionne pas ces références. On va vous montrer comment on va ranger donc la planche de tampon et surtout les dies, puisqu'on n'avait pas encore l'occasion de vous montrer comment est-ce qu'on range de nouveaux dies dans nos affaires. Dies, vous allez comprendre pourquoi dans l'épisode 1 on vous a parlé de ce tri, puisque vous allez comprendre maintenant pourquoi quand on va aborder la question des fiches pour les dies, comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper et de se dire comment est-ce qu'on va réaliser nos fiches. Alors là, je pourrais très bien dire que ce sont trois dies qui sont à part, bien sûr, mais qui font partie de la même collection. Je pourrais très bien décider de ne faire sur une feuille A5 transparente, de les coller sur une seule feuille transparente A5. Par contre, ceux-là sont plus sur un thème Noël. Ces motifs-là, je peux les réutiliser plus quotidiennement tout au long de l'année. Donc, mes avis que je vais utiliser beaucoup plus ceux-ci que ceux-là, qui sont peut-être plus à utiliser à une période bien spécifique de l'année. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire chaque collection. Je ne sais pas encore trop ce qui va se passer. Je vais prendre 3 feuilles A6 et puis je vais coller voilà, ces dies sur mes 3 feuilles A6 transparentes. Pour ce faire, on l'a déjà montré dans des vidéos précédentes, mais on va vous le remontrer dans cette vidéo. Donc on va prendre bien sûr notre Big Shot. On va prendre notre double face. Alors quand vous n'avez pas le panneau oxygène, donc nous on les prend sur le panneau d'oxygène, ils sont tout de suite à disposition. Mais vous avez aussi le range double face ici qui vous permet, quand vous n'avez pas de place dans votre intérieur, de regrouper tous vos doubles faces et de les protéger grâce à ces petits disques. Donc ils sont tous protégés, ils ne s'attachent plus les uns aux autres. Donc quand on se déplace, que ce soit sur la table du salon ou ailleurs, donc c'est vraiment pratique d'avoir toutes les tailles de double face à disposition. Donc on va... Pour ce faire, utiliser, alors là vous utilisez la couleur de papier que vous souhaitez. Nous on aime bien le faire sur une base de papier noir. Alors par contre, ne le faites pas sur un papier épais. Là c'est du papier un petit peu texturé. Je sais plus combien de grammes il a celui-là. Il doit faire 190 ou 210, je sais plus.
donc peut-être moins de 210. Mais on aime bien le faire sur ce type de papier parce qu'il est assez résistant. En même temps, il n'est pas trop épais. Et puis, pour les petites découpes assez fines, ça se découpe vraiment très facilement. Donc, pour pouvoir coller nos dies très facilement sur nos feuilles transparentes sans utiliser de colle, la colle en plus sur le transparent, ça va glisser. Donc, on risque de tâcher en même temps, enfin, de ne pas travailler très proprement pour constituer nos fiches. Donc, nous, c'est vrai qu'on prépare. Alors, d'habitude, on en a des chutes prêtes, on prend des chutes de papier noir. Là, on n'avait plus de chutes de papier noir, on a dû prendre une feuille entière qu'on a découpée. Mais par contre, voilà, on se garde un petit endroit où on met ces chutes-là, comme ça, quand on a un dies à faire, on n'a pas à refaire voilà, toute la partie collage de double face. On va beaucoup plus vite dans ce qu'on veut faire. Alors, pour le petit Père Noël, j'ai mis les différents éléments à part, puisque ça, c'est une question que vous demandez aussi souvent. Les dies, vous pourriez les faire sur une feuille blanche, c'est vraiment pas un souci. La particularité de le faire sur une feuille transparente, c'est que vous allez pouvoir tester sur vos projets vos dies sans avoir à les redécouper pour pouvoir faire des tests pour savoir si ça va sur vos projets. Le Père Noël, étant donné qu'on peut réutiliser aussi, par exemple, le petit chapeau, si on a d'autres tampons personnages, ça nous permet de tester si le chapeau est adapté sur d'autres tampons, par exemple. Le rond peut nous servir pour autre chose, etc. Donc on a décidé de le mettre, de ne pas le reconstituer comme c'est fait ici sur la photo. Par contre, on pourrait très bien faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut tester à part et en faire un ici complètement monté pour voir ce que ça donne. Donc là, il y a plusieurs façons de faire encore. J'aurais pu mettre les deux sur la même feuille A6, ça rentrait complètement. Là, on voulait vraiment vous montrer sur deux feuilles différentes. Par contre, moi je me connais, je sais que si à un moment donné j'ai du tri à faire, c'est deux thèmes Noël et je sais de toute façon que les deux, je les mettrai au même endroit. Ce qui prouve bien que ça dépend vraiment des uns et des autres et que, voilà, on apprend à se connaître aussi, on connaît nos habitudes, c'est important et on fait en fonction d'eux, il n'y a pas une règle spécifique. Alors, vous pouvez voir, on n'a passé qu'une fois notre feuille dans la Big Shot. On n'a pas fait des allers-retours, on l'a passé qu'une fois. Ça découpe vraiment très bien, le double face se découpe parfaitement. Par contre, on a eu des retours de votre part, de certaines et certains d'entre vous, qui avaient du mal à faire pareil avec leur double face. Alors, avec nous, enfin nous, on n'a pas de soucis. Donc, vous voyez, même ce dies avec autant de petits détails, vous avez vu comme il est sorti de la Big Shot, on a pu le détacher sans souci. C'est pour ça qu'on a essayé avec d'autres marques de double face et effectivement, il y en a certains avec lesquels ça colle de partout et on n'arrive de toute façon pas. En fait, la colle du double face va coller les papiers entre eux et donc de toute façon, voilà, toutes les parties vont pas du tout s'enlever correctement. Il faut savoir que les double faces, il y a aussi différents types de double faces. Il y a les double faces avec une matière caoutchouc, il y a des double faces avec des silicones. L'un va coller tout de suite et va avoir tendance à se décoller au fur et à mesure du temps. Et l'autre va par contre peut-être moins coller, ce qui permet un petit peu de coller vos projets de suite, mais par contre plus il va rester collé, enfin plus il va durer dans le temps et mieux il va adhérer à votre surface, ce qui est le cas du nôtre. Donc voilà, donc on peut que répondre à votre question en vous disant qu'il faut tester plusieurs doubles faces pour pouvoir voilà, avoir ce résultat sur vos feuilles transparentes ou vos papiers.
Donc là, pour les dies, dans mon mémo rangement, je sais que de toute façon, mes dies, quand je veux les mettre dans des clickbox, ce qui est le cas de ce type de motif, vous a déjà montré dans une vidéo précédente, sur les plaques magnétites, on met des plus grosses formes de dies. Mais ceux-là vont aller dans les clickbox, on sait que c'est dans les fines. Et on a identifié déjà dans notre mémo rangement avec un dé, les boîtes qui peuvent contenir des dies avec des failles magnétiques. Donc là, on ne se pose pas de questions, on regarde à chaque fois si on a un dé, et quand on a un dé et qu'il n'y a pas de croix, c'est qu'on a de la place. Donc les 26 cm, on va voir s'il n'y a pas plus dans les petites boîtes, surtout qu'on va travailler en plus plusieurs semaines sur le même type de sujet, donc c'est plus facile à transporter dans des petits contenants. Donc dans les 13-13, là on sait que c'est réservé à une marque, dans la 16-16, dans la 3. Voilà, ah ben, on avait fait du tri de toute façon, donc on a de la place. Donc voilà, on va mettre... Alors pour l'instant, on ne les détache pas. On pourrait les détacher, bien sûr, hein, si on voulait travailler différemment. Pour l'instant, on ne sait pas si ça nous... on sait pas si on a besoin de les détacher dans l'immédiat. Ça nous évite de le faire. En plus, ça évite de rayer notre plaque magnétique une fois qu'on les a coupées. Donc pour l'instant, on les laisse voilà, comme ça. On va noter sur notre... sur nos feuilles transparentes. Hop. On va noter... Alors, ils ne sont plus là. Ceux-là... C'est vrai, on les a mis directement dans notre trousse. Hop. Donc c'est la 3 orange. Bon, on n'écrit pas orange puisque de toute façon on a un stylo, un feutre orange. Donc la 3, peut-être vers le bas. Voilà, donc là la boîte, elle n'est pas pleine. Donc j'ai pas besoin de mettre une croix. Je la range tout de suite. Hop. Et je range mon mémo rangement. Voilà, alors on va repasser sur ce plan-là. Bon, vous voyez, on n'a rien rangé encore. Donc voilà, la Big Shot, comme d'habitude, elle va à sa place. Le double face, donc celui-ci, c'est celui que j'emporte quand j'ai à me déplacer ou quand je change de pièce. Celui-ci va aller là, celui-ci aussi. L'encre. Sur notre panneau, la corbeille à disposition, le nettoyant, le petit chiffon, ici, les ciseaux, le pic, la Misty, on va la ranger sur l'emplacement. Donc là, dans notre mémo, il va falloir qu'on range la fiche des tampons, que j'ai déjà rangée d'ailleurs. Et on va ranger également nos fiches pour les dice qui se trouvent dans l'autre organiseur. Donc là, on a un thème Noël avec des collections. Donc on va le mettre plutôt avec celle-ci. Voilà. Là, la boîte avec les tampons, donc on la range ici. Là, on a des chutes qui peuvent encore nous servir pour des prochains dies. Donc là, on a nos boîtes à 4, on va la mettre dedans. Les feuilles transparentes, c'est pareil. On en a en robe, donc celle-là, on va les mettre derrière, comme ça, on en a à disposition. Ça et ça, c'est du packaging. Donc on va, ça, c'est une petite chute de papier blanc, hop, ici. Ça, c'est dans notre petite boîte de packaging. Et puis voilà, tout est rangé. Alors, par contre, maintenant, il faut que l'on range tout ce que l'on a en termes de papier, tout ce qui est tampon d'ice. On les a rangés, quand on en a besoin, on sait où ils sont. On cherche nos organiseurs, on va les chercher sans problème. Par contre... vous allez voir qu'on peut les mettre aussi de côté pour les prochaines semaines, puisqu'on sait qu'on va utiliser principalement que ça. On va le voir tout de suite. Donc ça, est-ce qu'on va les ranger finalement dans nos mallettes, tous ces papiers? On sait qu'on va en avoir besoin. Donc ça ne sert à rien qu'on les range tout de suite. On sait de toute façon que nos collections 30-30, vu qu'on va les utiliser tout de suite, on n'aura plus de papier 30-30 après, puisqu'on va les découper.
Les collections A4, elles sont adaptées pour notre valise Moka, donc il n'y a pas de souci. On va la collection dans ma bulle, l'encre et l'image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Hop. La collection de base, qui elle, voilà, comprend aussi une planche d'étiquettes, ce que l'on n'a pas dans la partie doublée. On a juste les 6 papiers de collection, on n'a pas une deuxième planche d'étiquettes. Donc on va rassembler la collection dans une même pochette, c'est beaucoup mieux. Donc là, on va prendre aussi notre pochette collection. Alors là, on voit en fonction de l'épaisseur de la mallette, ce que l'on a comme place. On a encore de la place dans la 3. On en avait déjà une de disponible, mais c'est pas grave, hein, ça attendra pour la prochaine collection. Celle-ci, on la range parce qu'en fait, on ne va pas l'utiliser tout de suite. On va vite prendre par contre notre organiseur pour noter dans notre organiseur concernant les collections de papier. On va la rajouter. Je l'avais déjà rentré, mais je l'avais gommé puisque je l'avais utilisé. Maintenant, je vais réécrire dans la partie 3 l'encre et l'image dans ma bulle. Voilà. Ça, c'est fait. Alors maintenant, ça va falloir qu'on s'organise pour les prochaines semaines, puisque c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc vous vous souvenez, dans la saison 1, donc on avait beaucoup utilisé la valise Moka pour mettre tout ce qu'il nous fallait pour nos albums. Donc voilà, on avait fait 3 albums, 3 road journal. C'est des choses qui ne sont pas terminées, on peut encore remplir à l'intérieur avec des essais, avec des petites techniques que l'on fait au quotidien quand on n'a pas forcément de projet en cours. Donc tout ça, c'est encore d'actualité. Donc là, c'est ma mallette du quotidien que je prends principalement parce que je l'ai déjà préparée pour travailler sur mes projets. Donc je vais la vider complètement, et j'ai mon autre valise Moka. Où là, j'ai encore des choses sur lesquelles je travaille, hein, sur ces albums là. C'était un petit peu moins urgent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie-là qui prend un petit peu plus de place. Il y a plusieurs solutions de faire, puisque c'est des formats A4. Je n'ai pas de format de 30-30. Je pourrais très bien prendre une mallette A4. Donc là, je pourrais très bien utiliser, alors en fonction de ce que j'ai, bien sûr, hein, là, j'ai quand même pas mal de choses en cours. Ça mériterait peut-être aussi de faire un petit tri, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Et puis, ça ne m'embête pas, finalement, pour l'instant. Donc, je pourrais, là j'en ai un petit peu trop, mais je pourrais tout rassembler dans une mallette que je mettrai à disposition. Et puis, quand j'ai à travailler sur mes albums, qui ne sont plus forcément du travail du mon quotidien, de ce que je vais faire en ce moment, je peux le mettre dans cette mallette et puis l'identifier en journal, en journal. Et je sais tout de suite trouver mes affaires. Là, je vais changer. Je vais prendre la valise. Je vais enlever mon organiseur, où j'ai aussi des petites choses qui me sont utiles pour travailler avec ce type de projet, puisque j'ai des tutos, j'ai mon carnet, j'ai pas mal de choses, des nuanciers, etc. Par contre, je vais la mettre à part, puisqu'elle sera... voilà, j'ai quand même une quantité assez importante de choses en cours sur ce sujet-là. Donc, je vais mettre toutes mes pochettes à l'intérieur de cette valise. Voilà, donc celle-ci, elle est complètement vide. Je vais aller chercher mon protège-organiseur A4 pour pouvoir protéger tout ça. Donc je prends un protège-organiseur pour protéger un petit peu ce que j'ai là à l'intérieur. C'est pas encore bien épais, hein, mais au moins ça protège voilà, ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais pouvoir le mettre juste à côté. Mes règles qui bougent. Et là, bah, j'ai
maintenant une valise complète. Donc voyez pourquoi l'intérêt de ne pas mettre des pochettes déjà intégrées dans les valises. On préfère avoir des éléments qui s'adaptent en fonction de ce qu'on fait plutôt que d'être figé de base dans notre valise de rangement. Donc là, j'avais déjà préparé un petit peu. Donc je vais pouvoir mettre deux organiseurs à 4. Ça va se justifier. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la carterie, on a plus de bases de cartes, on a plus de choses à préparer. Ça dépend en plus si on fait, par exemple, si on a de la production en masse à faire ou si on prépare voilà, des petites cartes que l'on va donner ou que l'on va envoyer à la famille. Tout dépend aussi de la quantité. Vous pourriez en avoir besoin que d'un. Mais deux organiseurs à 4. Pour travailler sur ce thème-là de la carterie, je trouve ça pas mal. On a pas mal de place. Donc là, on a une première partie qui concerne les stickers, les die cuts. Donc là, en fonction de ce que vous prenez comme rangement, on va pouvoir tout rassembler, que ce soit l'une ou l'autre des collections. On s'en fiche, on va tout rassembler au même endroit, que ce soit les die cuts, les stickers. Ça, c'est pour l'instant, on prépare et on prépare notre matériel pour le trouver lorsqu'on va s'installer pour pouvoir travailler dessus. Voilà, donc là, on a tout mis à l'intérieur. Les collections de papier A4. Alors, je vais les enlever des pochettes pour les mettre derrière dans les organiseurs A4 puisque j'ai un compartiment spécifique au format A4. Mes pochettes, même si elles sont vides maintenant, je vais les garder parce que forcément, je vais faire des réalisations, je vais préparer des cartes et je vais avoir besoin de mettre mon travail en cours dans des pochettes. Donc là, j'ai la pochette à 5 et la pochette à 4, plus la pochette avec les stickers. Donc pour l'instant, je m'organise comme ça. Je peux prévoir aussi une clickbox 13-13 que je vais glisser là-dedans si je fais des découpes. J'ai préparé aussi des bases de cartes avec les enveloppes. Donc j'ai les enveloppes d'un côté et les bases de cartes de l'autre. Là, c'est sur un format A6. Je pourrais très bien faire des grandes, préparer déjà des bases de cartes un peu plus grandes, donc sur format A5 par exemple. Ma collection 30-30. C'est pareil, je sais que je vais l'utiliser. Je vais en avoir besoin dans les prochains temps. Donc lorsque vous avez des panneaux oxygène avec des bacs, c'est plus simple. Pour l'instant, ces papiers 30-30 qui n'existeront plus après les avoir utilisés et qui pourront rentrer dans ma valise Moka, les chutes de papier, etc. Donc pour l'instant, je la laisse sur mon panneau et je pourrai l'avoir dès que je le souhaite à portée de main. Les masking tape, je vais les enlever. Je vais préparer déjà, donc je vais enlever le packaging. Soit je les mets à l'intérieur dans ma pochette, hein. Ça peut rentrer sans souci, surtout que là, elle n'est pas très pleine. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de choses, donc ça ne va pas coincer au niveau de la fermeture. Je peux les mettre à l'intérieur pour les avoir à disposition. Par contre, là, je vais les ranger dans la pop box, dans une des pop box mini. Hop, je vais les ranger et je saurai les trouver dès que j'aurai besoin de les utiliser. Voilà, donc là, la pochette 30-30 vide, je vais pouvoir la ranger dans une de mes pochettes de collection, de mes mallettes, pardon. Voilà, je vais la mettre dans une des mallettes, comme ça, à la prochaine collection 30-30 qui arrive, que j'ai pas besoin d'utiliser là tout de suite, je vais pouvoir la ranger à l'intérieur. Voilà, donc on a préparé nos projets. On sait que si l'on a besoin là d'attaquer nos projets cartes, on a notre valise. Alors vous voyez, la valise s'est considérablement rétrécie. Elle n'est plus aussi épaisse qu'avant. Elle va se remplir. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire déjà lorsque vous avez le nouveau matériel qui arrive ou lorsque vous allez préparer votre matériel. Donc lorsque c'est pas à base de nouveaux produits, on va bien entendu travailler différemment, on va chercher différemment notre matériel,
On va prendre nos organiseurs, on va s'installer tranquillement et chercher notre matériel dans nos fiches. On va pouvoir tester avec les feuilles transparentes, etc. Ça, on le reverra aussi. C'est une autre façon de choisir ces produits pour s'installer. On va sûrement voir les encres que l'on va utiliser. Donc là, on va utiliser aussi nos nuanciers. Mais tout ça, ça arrive dans la troisième, dans l'épisode 3 de la saison 2. Donc on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!